Sors les touches. Sors les touches, on va tous les voir. On vient commencer comme ça. Voyons les couleurs qu'on a. Donc on va mettre les couleurs foncées d'un côté, blanc. Parce que comme ça, ceux qui sont un peu... Vermillon, rouge. Dès que c'est vert, c'est vert. C'est jaune. Azarine. C'est le même nom que l'aquarelle, hein. Oui. Ouais, c'est gris. Scarlet, ça doit être rouge. Rouge, le rouge, on le met là. Voilà. Vermillon aussi. Ah, yellow, voilà, ocre jaune. Ok. Alors, on va commencer comme ça, on va commencer par les classer. Ça, c'est Sunburst Lemon. Ça va être du jaune citron. Burn Sienna, ça, ça doit être des bruns. Là, plutôt là-dedans. Là ? Ouais. Devant ? Dark Brown, c'est là aussi. C'est là, c'est... Moi, je pense que c'est lui, c'est ton... Brilliant Red. Orange. Je t'ai mis avec les jaunes, orange. Turquoise. Les bleus, ils sont où ? Ah, mais tiens, je ressens ton bleu. C'est toi qui as dit, c'est magnifique. Ah, mais je l'ai trouvé magnifique. On fait une photo et on le renvoie là. Ah, bah ouais. Ah, bah oui. J'ai réussi ce ciel avec l'ange de Bordeaux. Alors attends, le ultramarine, je te mets avec le turquoise, les bleus, ensemble, rose red, avec... Oui, turquoise, ça. Purple. Voilà. Je te les sors tous. Light brown. Violet. Ah, violet, je sais, je le mets là. Le violet, je te le mets avec le pourpre. Cambodge. Cambodge, c'est quoi comme couleur? C'est beige. Tout jaune. Ouais, jaune. Je te le mets avec les jaunes. Là, c'est un vert. Donc le vert. Je sais pas avec le. Ah bah il est ici. Lime green. Emerald. Bah, alors oui, cette photo et vous mettez deviner avec qui je suis. Ah génial. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. On va voir. Sea green. Purple Russian. Il y en a beaucoup, hein. J'ai voulu avoir tout ça. Et le vert ici, voilà. Alors ah, là... Oui. C'est sympa, ben voilà. Voilà. C'est super. Enfin, bon allez. Allez. Un nouveau show. Donc, je vais te faire essayer. Donc, important. À savoir. L'essentiel à savoir, c'est les différentes manières d'utiliser les gros shows. Soit tu utilises... tous ces pigments en poudre, pigments de couleur en poudre, soit tu mets directement sur le papier sec et après tu mouilles, soit tu mouilles d'abord le papier. Voilà. Après tu utilises que le spray ou tu utilises aussi les pinceaux. Donc on va commencer par, je pense que tu vas me mettre on a du yellow, du limon, du yellow ocre, et du limon sunburst. On va tu vas étaler ces quatre pigments sur la feuille. Là je les étale. Mais les quatre là. Tu je te montre pour le premier. Vas-y. On fait comme ça. Voilà, juste ça. Juste ça. Et après, comme si tu fais une petite recette de cuisine. Voilà, c'est ça. Tu mets là. À côté. Même espace, voilà. À côté. Voilà, là. Pas trop près, voilà. Bientôt. Et après, il prendra le spray. C'est extraordinaire. C'est presque. C'est très ludique. Hein, oui, tout à fait. Bon, voilà. Après, je vais te dire, c'est peut-être ludique, mais il faut savoir l'utiliser. Hein. Alors maintenant, le spray. Ça va utiliser. L'idéal, c'est pour un démo, c'est que tu le mettes de haut, parce que si tu mets trop près, ça va diffuser sur l'autre. Voilà, tu mets à peu près à cette distance-là. Et chaque. Je ne connais pas ce spray alors. Chaque pigment. Ouais, c'est pas un spray. Voilà. Bon. Comme ça ? Mais écoute. On fait comme ça. Je ne connais pas. Ouais, il n'est pas. C'est pas. En fait, c'est pas un spray, c'est un. Ouais, c'est pas grave. Un vaporisateur ? Ouais, c'est pas un spray comme je voulais. Tu peux amener le spray en face, ça va être mieux avec ça. Et puis c'est ce que j'utilise moi. Bon ben là, il y a toutes les couleurs qu'on mélange, c'est pas grave. Tu verras aussi les fusions. C'est vrai.
ça, tu vois. Alors, on va faire maintenant la même chose, mais sur papier déjà lié. C'est les mêmes. On dirait que tu t'amuses. C'est le machin. Et le ocre. Il va peut-être pas si de... C'est... Là, c'est un peu bleu. Et ouais. Après, tu as une manière de diriger aussi. Tu... Ben là, après, il faut que je fasse ça. Attends. Tu veux quelque chose? J'essaie de voir comment tu peux le varier. Ouais, ouais. Là, plus. Là, il est trop... Ah ouais, tu peux faire une pluie ou tu peux faire un jet plus directionnel. Là, il est fermé, là. Ah, tu mets beaucoup d'eau, toi. Ouais, mais tu vois, c'est pas mon spray que d'habitude. Moi, j'en ai un. C'est bien de pouvoir diriger, mais je le connais pas bien en fait. Parce que je m'en mouille partout, mais là il est trop. Non, il... Tu veux que j'essaye de faire quelque chose? Je voulais qu'il soit dirigé plus. Dirigé? Attends, je vais essayer plus de mettre dans le lavabo de. Bon, on va utiliser le pinceau. Ouais, là, ça, je le ferme. Et là, tu vois, ce qu'avait fait Rémi, c'est qu'il avait comme ça, il a tout mélangé comme ça. Voilà. Allez, tac, 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 ah, c'est bon. Voilà, en gros, hein. Tu vois, là, tu n'as pas toute la couleur, tout le papier. Voilà, avec le pinceau. Moi, je préfère l'effet... Non, mais non, bah, si, ça, voilà, ça te donne... Mais c'est juste, non, mais c'est juste, oui, non, mais ça fait des belles variations. Non, orange, alors, on va mettre du suspens. Ah, mais c'est pas... Orange. Ça se... Ouais. Ah, c'est beau, ça fait des constellations. Ah, elle n'a pas prévu, ils sont pas là. Parce que ça, c'est indispensable. C'est là que tu vas commencer à avoir le gros chaud. Et encore, là, on est sur papier, papier arche, dans papier cellulose, ça rejette encore plus le pigment, donc du coup, ça fait encore plus cet effet-là. Cet effet... Si, regarde, c'est beau, ça. Ouais. Toi, tu ne veux pas le tenir hein, avec un pinceau. Non. Ah non, parce que là, tu prends le pinceau, tu vas le répartir. Cet effet-là. Cet effet. Si, regarde, c'est beau, ça. Ouais. Toi, tu ne veux pas le tenir hein, avec un pinceau. Non. Ah non, parce que là, tu prends le pinceau, tu vas le répartir. Tu peux faire laisser. Qu'est-ce que je fais? Pinceau. Allez, dessus? Ouais. Tu vas répartir là. Je vais faire comme une. Tac, tac, tac. Alors, après, ce qu'il faut savoir. Au bouchon, pour arrêter la diffusion des pigments, tu poses un sopalin propre, si possible, et tu poses. Faut pas essuyer, juste appliquer comme ça. Comme ça, ça arrive. Ah, magnifique! Ça, j'ai vu faire à l'étranger. J'avais pris une formation à l'étranger où j'ai vu. La personne m'a montré que ça, c'est vraiment ce que j'ai appris, important, pour stopper la diffusion. Ouais. Alors ensuite, on va continuer. Alors, Cambodge, parce que je trouve ce que ça vaut. Ouais, bah, tu sais, ça doit être l'équivalent de... Comment il s'appelle? Gut, de la gomme gut. Oui, tu peux mettre de l'eau. Je mets de l'eau? Ouais. Comme ça ou plus? Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors là, on l'a fait maintenant. Alors là, on continue Bantiana, hein, tu vois. Je mets alors à l'extérieur ou je le mets dedans? Là. À côté. Pour bien voir ce que c'est. C'est bon, dans les bateaux. Faut pas en mettre trop. Ouais, tu vois, moi j'ai tendance à avoir la main. Le Rémi, c'était pareil, un métro, il fait vite en métro. Et là, je mets un peu. Ouais. Wow. Là, il n'y a pas besoin de mettre trop. Ouais, t'as raison. Après, attention, là on vient dans les foncés. Hein. T'as grand, ça c'est foncé. Et je mets à part. Attends, je mets pas dessus. Attends, peut-être qu'on va commencer par les volets. Les volets et les porte-toiles, parce que si on continue par le. Essaye le volet. Mais à côté, pas à côté. Dessus. Sinon, ça va pas mélanger, on va pas avoir ça. Tu sais quoi? Mouille le papier avant. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Comme ça. Ouais. Voilà. Et là, tu peux. Il n'est pas bien mouillé là. Ah, attends, je vais. Après, tu mets le purple. Voilà. Peut-être un peu trop. Et là, c'est purple. Ça, ouais. C'est ce qu'on a mis là. Non. Non. C'était violet. Ça, c'est purple. Ah, j'adore, en fait, je trouve ça. Rose, red rose. On va faire de la rouge.
C'est vrai, c'est magique, hein. Alizarine Crimson. C'est beau quand les petites constellations comme ça. Là, on est dans la scarlette. Ça, c'est pour ça. Scarlette, c'est fort. Après, ce rouge, je sens. Après, ça fait on comme a des coraux. Le vermillon. Ah oui, d'accord, j'avais pas. Attends, je vais essayer. On peut manger avec une couleur si tu voulais voir. Pour se donner. Mais tu peux remouiller autant de fois que tu veux. Mais en fait, tant qu'il y a encore du pigment dessus, ça va repartir vite. Tu vois là. Mais ça ne donne pas le même effet. C'est-à-dire qu'après, tu peux imaginer toutes les formes. Ça fait. C'est magnifique, hein. Alors après, on va continuer encore un petit peu. Ouais. Que je te montrerai. Ah ouais, j'ai envie de mettre une tache sombre ici. Pris en veille. Oula, là, le trou est un peu trop fou. Et là, encore le crimson. T'as le crimson et là, avec ta crimson. Après, là, on a les. Là, ce que j'aime bien, c'est les verts. Tout ça, on a fait. Ah, du bleu, on n'a pas fait les bleus. On n'a pas fait les bleus, on n'a pas fait les très foncés. Oui. Et on n'a pas fait les. Turquoise, attends, regarde, je peux commencer, je peux le faire? Ouais. Le turquoise, il marque beaucoup. Hein. Pas mal trop. Non, voilà, stop. Non, j'ai plus de. Là, ce que je fais, et après. C'est génial, ce truc. Attends, il n'a pas fait ça. Je trouve ça magique! Alors là, pour lâcher prise, après, tu peux me donner deux sopalins parce que je suis là en besoin. Tiens, deux feuilles, trois feuilles. Oh là là, là, il faut être très rapide. Après, ce que je fais. Ah oui, là aussi. Là, il y a trop. Voilà, c'est ça. T'as compris l'astuce. Voilà. Voilà. Après, c'est incroyable ces bouchons. C'est fascinant. Aïe, aïe, aïe. En fait, pour maîtriser, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Donc, je mets pas d'eau partout. Ça me met qu'à un certain nombre. Et toi, je te vois quand tu fais tes tableaux, tu pulvérises, après tu sèches, tu repulvérises, tu rajoutes. Même à l'aquarelle. Ah oui. Là, ça, fais ça. Là, tu fais ça. Bon, là, comme ça, déjà, tu vas calmer un peu le piment. Après, tu peux relancer quand tu la trouves en revient. Après. Tu viens, tu vois. Et c'est beau quand il y a du blanc aussi. Tu veux faire ça. Regarde, là, on dirait des filaments. Et là, après. Alors, ce que je fais, tu peux mettre un sopalin dessous. Que ça t'a pris, voilà. Pour protéger la table. Bah ouais, parce que ta table est toute neuve. Et en même temps, tu peux me redonner le spray? Tu vois, ça va. Je vais essayer. Oh, tu filmes. Tu veux prendre l'appareil pour filmer? Et là, je pense que prends l'appareil qui filme. Pour qu'on filme, qu'on voit ça. Ah, c'est l'appareil qui filme. Ouais. Après, qu'est-ce que je peux faire? Bon, voilà. Voilà. Ah, voilà. T'as vu, ça redescend. Comme ça. Et là, tu fais un fond. Comme ça. J'ai pas le spray que j'ai d'habitude. Celui-là, il est trop à voir pour les dire en l'air. Mieux quand il dit les cheveux. Mais bon, tu vois, là. Tu veux que j'aille t'en chercher, t'en acheter un s'il y a un magasin à côté, non? Bon, allez,
Il n'y a pas? Je vais prendre Amazon. Ouais. T'as vu comme c'est beau, oui, ça? Oui, c'est joli. Magnifique. J'aime bien ce ton rose pourpré, tu sais. C'est... Après, je pense que... Manger. Ça a un effet différent. Là, c'est sur papier coton. Si on fait papier sur l'eau, ça va être encore plus différent. Ça glisse davantage. Ouais, ça... Voilà, soit on laisse comme ça, soit on peut arrêter. Et après, il y a le risque si je mets une couleur un peu plus flashy. Foncé, non? Si tu mets du black, du noir. Là, le noir. Il est très trop, très violent. Ouais. Non, il faudrait mettre plutôt du bleu à ce moment-là. Moi, je mets très. Tramarine, ça va être un peu fort. C'est des couleurs fluo quand même. Hein. Mm. Je vais brocher le bout peut-être. Très peu. Tu vois là, ils ont mis très peu. Mm-hmm. Et, tu vois, dès que je mets de l'eau. Très beau. Ça fait faire feu d'artifice. Hein, Après, ce qu'il y a de feu d'artifice pour le faire, il faut tout de suite après bouquer la diffusion des piments. Là, tu as vu ce que ça peut faire? Ça fait de la, ça crée de la profondeur. Et après, quand je les ai finis, je vais. Vas-y. Ça sent pas là, je vais pas faire tout de suite. Je vous ajoute. Je vais bien. Bah, je peux être te montrer noir, hein, mais ça va être très. Non, mais moi je te suis au contraire. Je n'avais pas fait là. Ouais, très peu sinon. Hein. Ouais. Et après, tu essayes de trouver, de retravailler ensuite selon les formes que ça prend ou non? Oui. Ouais, je manipule la planche selon ce que je veux. Le pinceau? Non, le pinceau, je ne vais pas toucher, parce que le pinceau, je vais écraser la couleur. Un spray. Un petit peu de spray, toi. Il n'y a que le spray. Pour moi, après le pinceau, je le ferai, mais dans d'autres circonstances. Mm. Là, tu vois, si je mets le pinceau, ça va être dommage. Et là, c'est pour ça que je veux que ça monte. T'as vu, ça te fait joli tout ça? Peut-être là, c'est un petit peu. Tu peux pas faire des lignes, enfin, tu vois, des formes très, très, très régulières avec ça. Non. Mais c'est très beau. Moi, j'aime bien, c'est complètement onirique, hein, si on a l'impression d'être dans un. Et après? Là, si je veux arrêter les piments, si je décide que c'est fini, ouais. Ben, je mets encore un peu, j'essaie quelque chose de plus fort, ou qu'est-ce que tu dirais? Bah écoute, j'ai tant qu'à faire... Arrête là ou j'en mets un peu là? Ouais. Qu'est-ce que je mets là? Il y avait du ultramarine tout à l'heure, j'ai vu. Oui, ok. Il est où? Il est par là. Il est par là. Ouais. Un turquoise, attends, j'avais vu. Tu l'avais utilisé. Bleu, rouge ou bleu? Grès. Non, je ne vois pas, il a dû être le départ. Rouge ou bleu, ouais, ça peut pas aussi. Ouais, c'est bon. Vous savez ça? Non, il est là. Turquoise. Ouais, c'est bizarre. Je l'ai utilisé. J'adore. Vraiment. Comment il est? Ah, voilà. Je mets là. Hein? Là, ici. Hein? Ouais, on teste, hein. Je mets très peu. Hein. Ah, je crois que ça fait du... Waouh. Là, tu vois, j'ai fait du spray. Oh. Je peux en mettre un peu. Je vais me poser, je vais tout mettre. C'est vrai que cet ultramarine disparaît. Mets-le par là pour densifier cette zone, non? Tu. Et là, on fait ça. Je n'ai pas de mon cœur. Et là, il est fier. On dirait que ça fait des rochers, tu sais, oui, qui vont oui, en profondeur oui. Comme ça.
après quand je vais finir saturer. Mais t'en as combien? T'as tout ça. Tout ça, ce sont tes bouches. Ouais. Là, j'ai une amie qui m'avait ramené, je sais pas si ça peut fonctionner, j'essaierai. Tu sais, des pigments d'Inde, qui viennent d'Inde, tu sais, qui se gèrent pour le festival des couleurs. Voilà, et là, quand tu as décidé, c'était fini. Et après, si on en met trop, ça va. On va plus l'avoir. Je prends ce truc-là. Et là, je pose. Il ne faut pas frotter, sinon ça mélange les couleurs. Comme ça. Et là, tu es sûr que. Voilà. Alors, il dit beaucoup de choses qui ne sont pas dedans. Il n'y a pas les trucs-là. Et là, quand tu fais tes tigres et ton chat, c'est par-dessus que tu peins. Le visage, la tête, la gueule du lion. Je commence par l'aquarelle au milieu. Ah. En fait, il y a deux possibilités. Au départ, je faisais ça. Je faisais ma aquarelle. Et après, je mettais du liquide de mascade et je donnais le fond. Je me suis rendu compte que quand je retire le mascade, ça détruit le dessin. Donc, j'évite. Ce que je fais, c'est que je fais le dessin avec que le contour. Ah, et tu essaies. Je masque. Je fais le fond et après je fais le dessin. D'accord. Et je fais le fond. Voilà. Et là, les pigments sont stabilisés. Très bien. Et tu peux les défaire et c'est fini. Ça ne sert à plus boucher, là. Non, non, non. Bah, après, si j'ai bien suivi. Ah, tu vois, là, heureusement, après, on va enlever. Non, c'est pas grave. C'est encore un peu sec. Après, tu peux utiliser le sèche-cheveux. Je sais que Rémi, il avait pris le sèche-cheveux. Mais ses cheveux, attention, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas fait ça, sinon tu fais partie des pigments. Bien sûr, ça les ça l'envoie, ça envoie de l'air, donc ça envoie. Ouais. C'est beau. Voilà, c'est beau. Premier bouchon. Faire une photo. C'est encore un peu mouillé. Bon. Ça fait chaud. C'est mieux cette partie-là. Ouais.